l'IHM, c'est une institution d'État qui travaille dans le domaine de la météorologie, la climatologie et l'hydrologie. Donc, pour servir certainement les clients, les particuliers, toute la population haïtienne. C'est rendre météo, disons, donner météo accessible à tout le monde, c'est défi. Quel soit sa gain qui est dans météo, alors météo c'est l'élément, il faut nous capables d'interpréter pour nous rendre la population service pour nous dire mais ça va passer, mais ça va passer demain. Prévision météo, c'est important. C'est important pour l'agriculture, c'est important pour la pêche, c'est important pour la navigation maritime, pour la navigation aérienne. Donc, météo, il rentre dans tout secteur national. Avec l'impact des changements climatiques dans le secteur agricole, on doit faire des prévisions. On doit avoir des données fiables et on doit modifier ou repenser certaines stratégies déjà définies pour le secteur agricole. Ou pas qu'à faire analyse sécurité alimentaire, sont pas regarder comment production est. Et un élément pour pas des facteurs limitants en production, c'est pluviométrie. L'hydrologie étant que science connexe à la climatologie, à la météorologie, à chaque fois qu'il y a des événements pluvieux ou de grands événements, tant que cyclone, tout ça, et c'est la pluie qui vient de façon intense et qui est capable de faire rivière entrer en couille et le ça provoquer en pile inondation qui a des impacts négatifs. Dans le cadre gestion risque et désastre, donc des conseils avec DPC, donc donner ça est très très utile. Donc c'est une très bonne collaboration par rapport avec le projet Hydro-Vetla. Donc ça permet de nous intervenir de façon très efficace pour nous préparer. Nous. Données hydrologiques, ça va permettre que EDH non seulement est capable de bien gérer les structures qui ont déjà mis en place, mais tout, il y a une possibilité pour un autre micro-réseau hydroélectrique qui forme. Dans le travail que IHM a fait, nous gagnons un pile de services IHM. Qui doué et qui capable de générer des données importantes pour nous. Nous gagnons en cellule alors de prévision aéronautique côté nous fait taf pour aérodrome. L'IHM à travers ses agents nous communique les informations météorologiques telles que le méta, le taf, les spécies pour que on puisse communiquer ce genre d'informations au pilote et que le pilote puisse s'en servir pour assurer le bon déroulement de son vol. Donc sans document, ça pas gain vol, pas tout avion d'appuyer au sol. La vision stratégique, c'est de permettre à ce que l'IHM soit la plaque tournante, la référence en matière de données, particulièrement des données de qualité.